Comment passer un arbre facilement au golf avec une balle haute Bonjour, c'est Alex d'Igolf Pro. Vous avez vu cet arbre là Eh oui, un arbre centenaire ici au golfe de l'océan Agadir. Je relève le défi de vous expliquer étape par étape comment y arriver dans 100% des cas avec un petit exercice facile à mettre en place. Mais avant, il faudrait savoir une balle haute ce n'est pas forcément tout le temps on n'a pas besoin forcément de franchir un arbre une balle haute peut être faite dans un bunker lorsque la lèvre est haute une balle haute peut être faite lorsque vous êtes sur un par 5 vent avec vous voulez gagner des mètres vous la mettez en l'air vous voyez il n'y a pas qu'une seule chose il n'y a pas que un arbre euh, à, à passer pour faire une balle haute. C'est très important de comprendre déjà donc, quand est-ce qu'on fait une balle haute. Alors, la, la première chose que j'aimerais vous expliquer, c'est un peu le contraire d'avoir un bon contact de balle. Vous savez, quand je vous explique comment avoir un bon contact de balle, je vous parle toujours d'aligner votre balle. Au niveau du sternum, parce que déjà vous, vous faites cette erreur tout le temps de euh, prendre la balle en relation avec vos pieds, mais ça attention, c'est quelque chose d'erroné. Je vais vous en parlais dans un instant pourquoi, mais déjà, dans une que vous compreniez, lorsque je vous fais aligner la balle alignée au sternum, c'est pour que en fait ma balle je la compresse, balle terrain, et ici si. J'arrive et que je compresse ma balle, qu'est-ce qui va se passer Je vais arriver avec des mains devant ici, et donc le fer que j'ai dans les mains, qu'est-ce qui va se passer Tout simplement, il va se passer que je vais avoir moins d'ouverture, moins de loft. Ok Or ici, si j'ai moins de loft, boum, je vais me taper l'arbre. Donc, il va falloir que déjà on adapte dans la posture une chose fondamentale c'est mettre votre balle à gauche du sternum, de façon à prendre la balle légèrement en phase remontante, mais pas trop, parce que si je prends trop la balle en phase remontante, je vais la toper. Et là, ça va être pareil que si elle était très basse, donc je vais prendre l'arbre également. Donc, décalez votre balle, on va dire, une balle à une balle et demie à gauche de votre sternum. On va vérifier. Ok, là je suis sur le sternum. Là je me décale un tout petit peu. Voilà, une fraction. Je suis bien. Mais vous savez qu'il y a toujours un mais dans la personnalisation du swing et dans l'individualisation du swing. Pourquoi je dis ça Tout simplement parce qu'il faut prendre également, euh, en, faut prendre également votre jambe pivot dans votre position devant la balle c'est-à-dire que pour moi j'ai une jambe pivot avant donc quand je suis quand je bouge ici sur ma jambe avant vous voyez je remets mon sternum à gauche donc faites attention de vous mettre sur votre jambe pivot et après intégrer ce fameux euh, cette fameuse différence entre le sternum et la balle pareil pour votre sternum et lorsque je suis sur ma jambe pivot arrière alors Peut-être que vous ne savez pas ce qu'est la jambe pivot. La jambe pivot, c'est l'axe autour duquel je peux faire mon backswing. La jambe avant ou la jambe arrière. D'ailleurs, au passage, si vous voulez en savoir plus sur la jambe pivot, il y a les trois clés cachées de la régularité que je vous mets dans cette vidéo en description pour pouvoir approfondir et accéder à ce que j'appelle votre signature motrice. Revenons maintenant. Donc, on a intégré... La jambe pivot et on a intégré également la position balle sternum. Donc rien que ça, déjà, vous pouvez déjà essayer un petit exercice simple. Vous allez mettre un ti, mais mettez franchement un ti, allez, on va dire maximum un doigt, comme ça, une hauteur de doigt. OK Donc assez bas. Hop, je le mets assez bas et vous allez déjà pouvoir. Essayez de vous entraîner à passer ici. Alors, je vais essayer de vous illustrer ça juste pour l'exercice. Mais bien sûr, restez avec moi parce qu'on va compliquer l'exercice. Et ce que je vais vous divulguer après, je suis sûr que vous ne l'avez jamais entendu. Donc, on va juste illustrer cela. Je me positionne sur ma jambe pivot. J'ai mon sternum à gauche. Et j'y vais. Voilà. Ça passe. Alors je refais, refais l'illustration parce que Camille me dit derrière la caméra qu'elle n'a pas vu la balle et elle me dit oh c'est pas vrai Alex elle n'est pas passée. Ok, on va la refaire. Alors je me positionne. Un doigt. Ok. Alors maintenant que la caméra woman est prête, je vais illustrer de nouveau. Sinon, vous n'allez pas me croire. Ok. Alors, je répète, sur ma jambe pivot, balle, une à une balle à gauche du sternum, et j'y vais. Voilà, ça passe facilement. Je complique bien sûr l'histoire, puisqu'on avait un ti. Ok, donc ça va aider. Et par contre, j'aimerais maintenant, bah déjà, si vous avez aimé ce que je viens de vous partager, mettez-moi un pouce si vous voulez aller plus loin restez avec moi et dites moi déjà est ce que vous le saviez la différence entre la balle et sternum et est ce que vous connaissiez votre jambe pivot partagez moi ça dans les commentaires lâchez vous je veux que vous commentiez mes vidéos c'est un ordre pourquoi tout simplement pour ça aide la diffusion de cette vidéo. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à mettre un pouce, à me laisser un commentaire. C'est hyper important pour que cette chaîne YouTube euh, décolle davantage euh, des, bah, des, des milliers d'abonnés. Parce que 80% d'entre vous, vous vous abonnez pas à ma chaîne. Euh, sniff sniff. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. Parce que il faut comprendre ce qui va se passer. Maintenant, c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Lorsque vous, je vous ai dit, vous compressez la balle, vous arrivez avec des mains devant la face de club. OK Balle, terrain, donc avec moins d'ouverture comme on l'a dit tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais bien maintenant, c'est que vous arriviez non pas avec vos mains devant la balle, mais légèrement avec les mains derrière la balle. Pourquoi Tout simplement parce que si j'ai mes mains devant le loft est minoré, si j'ai les mains derrière, le loft est majoré. Et il est clair que si j'ai un loft plus ouvert, j'ai de la chance de pouvoir faire décoller ma balle. Mais qu'est-ce qui va se passer Vous allez essayer de la cuillerer la balle. Vous allez essayer de la cueillir. Je n'ai pas dit ça. Si vous la cueillez, c'est que vous allez être en arrière. C'est-à-dire, là c'est hyper important, c'est la relation entre où Vous commencez sur votre jambe pivot et où vous êtes à l'impact, c'est à dire que si vous commencez sur votre jambe avant et que lorsque vous êtes ici à l'impact avec les mains derrière, vous êtes en arrière là, vous allez faire une fusée, une balle topée, vous allez passer sous l'arbre. Ok, c'est pas ce qu'on veut. Pareil, si vous avez une jambe arrière, euh, n'allez pas être en arrière. Il va falloir une jambe pivot arrière, vous devez être au moins au milieu lorsque vous allez taper la balle avec vos mains qui vont être au mieux derrière la, la phase de club, légèrement derrière, ou au pire au même niveau. Mais, encore un mais, j'aimerais que vous le fassiez de façon dynamique. Comment Allez, je vais vous donner une super astuce, l'astuce Under Armour. Pourquoi Under Armour Parce que, ici, j'ai le logo, OK hein et j'aimerais que ce logo soit vers le ciel ici. Vous le voyez À partir du moment où j'ai le logo vers le ciel, j'ai ma face de club qui va être ouverte. Donc, on va créer cette ouverture de la face de club. Donc, déjà, essayez de faire quelques swings où on a votre logo du gant vers le ciel. OK ça c'est la première étape, savoir le faire. Ensuite, malheureusement, vous pouvez le faire après l'impact. Et là, ça ne l'influence pas. Donc, il va falloir le faire au travers de l'impact. Donc, sentir Under Armour beaucoup plus tôt. Donc, vous allez le sentir ici, ok, au travers, ok. Mais la difficulté, c'est de le sentir avec un poids qui avance. Sinon, pas le faire comme ça. Si je le fais comme ça, on sait que c'est la catastrophe. Donc je le fais en sentant vraiment mon poids qui va vers l'avant par rapport à où il a commencé. OK Et là, ça va me garantir de super balles. Donc c'est vrai que vous pouvez le refaire avec un ti au début, mais je vous invite à le faire sans thie. Allez, on va se donner les deux dernières balles, là. On va voir un peu, on va récapituler. C'est-à-dire, alors... Prête caméra woman, je récapitule jean pivot sternum la balle. Essayez de sentir qu'on avance avec l'astuce la, under armour. Je le crée en sensation, hop, et on y va. Et là, ça passe, mais largement, vous voyez, beaucoup plus haute que ce que j'ai fait tout à l'heure. Plutôt que de taper cette deuxième balle, je préfère vous dire que l'effet side bend pour faire une balle haute est fondamental. Si vous n'avez jamais entendu cette parole side bend, vous allez voir que ça, ça peut faire décoller votre golf et décoller vos balles aussi. Je vous retrouve dans la vidéo juste après pour vous parler du side bend.